parcours les païens pour les ramener, c'est surtout les gens de l'église avec lesquels il est dit. Prions alors, d'accord. Vous avez coupé les lignes avec, afin qu'on travaille tranquillement. Couper quoi? Les lignes, comme ça on travaille. Ah, comme c'est vrai qu'on ouvrait la Bible. Non, je dis couper les lignes pour qu'il n'y ait pas d'appel ou bien que quelqu'un ne peut pas. On va prier, d'accord? Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu mets au devant de nous. Merci pour cette merveilleuse pays et pour cette merveilleuse ville de Salim où tu nous as permis de séjourner. Je prie Dieu de gloire que ta grâce repose non seulement sur cette maison, sur la personne qui l'a construite, qui nous reçoit ici. Et pour tout le cœur, Père de gloire, bénis ce lieu-ci, bénis ce pays-ci, Père de gloire. Souviens-toi d'eux selon ta grande miséricorde. Et épargne-les, Père de gloire, de la colère à venir, de cette fougue de l'eau qui est censée inonder ce pays. C'est pour cette localité particulièrement. Je prie, Père de gloire, que ta grande miséricorde protège tous ceux dons-là qui t'appartiennent. Je prie au Dieu de gloire que ces différents esprits qui entrent au travers de cette inondation dans des maisons, que tu préserves tes enfants de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommence ces moments entre tes mains. Je prie, Père de gloire, que tu manifestes ta gloire maintenant et dirige nos cœurs vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sali, c'est fond dans l'eau. Sali, c'est fond dans l'eau. Voilà. Pas loin, on a déjà pas mal d'énergie. Donc, il y a plein de maisons qui sont là. Sali, c'est fond dans l'eau. Je vois une vaste, une très grande inondation qui arrive. Sali, c'est fond dans l'eau. Ça, c'est ainsi dit le Saint-Esprit. Sali, c'est fond. Sali, c'est fond dans l'eau. Alors, nous avons dit que le Seigneur préserve ses enfants. Les gens vont se réveiller une de ces nuits. Ce sera les pleurs. Les pleurs à l'issue de ce qui va arriver là. Allons-y. Jésus a des problèmes. Sali, c'est fond. Sali, c'est fond. Ça me fait peur là. Sali, c'est fond. C'est ainsi dit l'esprit. Sali, c'est fond. Ça arrive. Sali, c'est fond. Donc, dans le livre de Matthieu, Jésus vient pour les Juifs. Sali, c'est fond. C'est ainsi dit l'esprit. Donc, c'est ici. Ça n'a pas justement cette localité-ci. Ça va frapper beaucoup de localités. Sali, c'est fond. Le Seigneur Jésus-Christ appelle les Juifs à la repentance. Il faut faire la différence entre les Juifs, les non-Juifs, c'est-à-dire les Samaritains, et puis maintenant ceux des gentils. Les gentils, c'est nous. Dans la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il était question de montrer le témoignage à son propre peuple que ce qu'on avait dit promis à Abraham est arrivé. Mais eux, c'est Jésus qui avait bloqué leur cœur lui-même afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Cela étant, comme il a bloqué leur cœur, il pouvait être dur avec eux parce que le but c'était afin que son peuple le rejette et puis qu'il se tourne vers nous. Gloire soit à lui pour cela. Parce que si ça n'avait pas été le cas, on ne serait pas en train de parler de Jésus là. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 et suivant, que nous étions sans Dieu, sans espérance, étrangers aux alliances de Dieu. Mais par le sang de sa croix, il l'a réconcilié, nous qui étions loin. Donc quand il est Dieu avec son peuple, c'est parce que son peuple était censé connaître ces choses-là. Il dit, vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, c'est-à-dire qu'il rend témoignage de moi. Maintenant, pour les chrétiens, c'est autre chose. Donc, quand quelqu'un est chrétien, pour ses disciples à eux, vous allez remarquer que quand il parle dans la Bible, il parle à ses disciples, il donne des conseils. Dans Matthieu chapitre 5, par exemple, il dit, heureux ceux qui sont les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur pur. Oui, mais quand il va se tourner vers les pharisiens, il dit, race des vipères. Vous voyez cela? Hypocrite. Donc, c'est à eux qu'ils disent. Parce qu'en fait, ceux qui sont assis, ils sont censés dispenser la Bible. Mais ils font de la Bible des pieds d'achèvement pour des gens. Ils mettent des rituels, ils mettent des choses qui poussent des gens à ne pas obéir la voix de Dieu. Jésus, dans Matthieu 23, on leur dit, vous empêchez les gens d'entrer dans l'oreille et vous n'y entrez pas vous-même. Donc ce sont les gens qui sont à la porte pour bloquer les gens. Comment est-ce qu'ils bloquent les gens? En instituant, en mettant devant des gens des pierres d'achèvement. Ces pierres d'achèvement viennent des doctrines des hommes. Or, les serviteurs de Dieu doivent seulement prêcher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait entrer les gens. Si on met autre doctrine, des dogmes qui ne viennent pas de Dieu et que vous suivez ça, ça ne peut vous faire entrer. Jésus donc dit hypocrite, ces gens-là, dans Matthieu chapitre 23, il y a une série de malédictions pour eux. Il dit, vous portez pour cela de longues franges et vous faites des longues prières. Ils dévorent la maison des veuves et font pour cela les longues prières. D'accord, ma chère sœur? Alors,
Tu vois, autant on a parlé de ça hier sur le Vatican où il parle d'elle comme étant la grande prostituée. Oui. Pourtant, c'était des choses à venir. Ça n'a pas été. Tu entends pas? Elle parle toujours petit, elle ne veut pas qu'on entende ces choses. Quoi. Ah bon, pourtant j'ai l'impression de parler fort. Donc je disais que hier, quand il a parlé de la grande prostituée. Oui. Il a parlé de l'Église catholique qui est quand même. Qui vient du christianisme, si je ne me trompe pas, comme base. Qui est issu pour le christianisme. Issu, voilà, du christianisme. Mais il n'a pas parlé pourtant de l'islam qui vient faire plus de dégâts des dégâts au même titre que le catholicisme. Oui. Pourquoi on n'évoque pas, il n'a pas prophétisé sur ça parce En que réalité, dans la Bible, c'est plein. On parle de l'islam à plein allemand. Depuis la Genèse, on parle de l'islam. Vous pouvez noter seulement, je vais citer les versets, d'accord? Et on va prendre un passage particulièrement et on va y aller. Je vais vous expliquer ce qu'est l'année. Pendant ce temps, on continue avec notre soeur ici. Comment ça s'est passé depuis le baptême? Dis-nous, raconte-nous de bonnes choses. Moi, ça s'est bien passé. On s'est senti bien. Après, on s'est couché. On a dansé dans l'eau salée, quoi. Non, ça s'est bien passé. Le soir, j'ai prié. Dis-nous comment tu as prié. Quelle était la différence entre cette prière et les autres prières que tu as toujours faites? En fait, bon, quand je prie, d'habitude, j'attache la tête, mais je fais plus l'honneur de m'attacher la tête. Je me suis couverte. Oui. Je me suis mise à genoux dans ma chambre. Oui. J'ai tout retiré, les symboles depuis hier. Oui. Avant d'aller à l'église, j'avais tout sorti. Là, vous m'avez attendu. Oui. Avant d'aller à la mer. J'avais tout pour le baptême. J'avais déjà sorti ça de la maison. Je l'avais laissé devant la porte. Et quand je suis rentrée le soir, je l'ai mis encore plus loin pour l'amener aujourd'hui. Mais le chien l'a cassé dans la nuit. Le chien a cassé. C'est comme si la porcelaine, tu sais, c'est en terre. Elle a fait tomber ça, ça s'est cassé. Alors, j'ai recassé le reste et j'ai mis dans un sachet. Et j'ai prié dans ma chambre. J'ai prié, mais j'ai trouvé que les mots venaient facilement. Voilà. Je ne savais pas prier avant. Par exemple, je ne sais pas par quel mot prier, comment faire. Je l'ai dans ma tête, j'ai envie de le faire. Je ne parle pas beaucoup à Dieu. Je lui dis que toutes les nuits, je lui dis ce que j'ai à lui dire, mais les mots ne venaient pas comme hier. Les mots venaient naturellement. Et aussi depuis hier, depuis le baptême, j'ai pas eu l'automatisme que je fais d'habitude chaque fois quand je rentre, quand je sors de la maison et tout. Je l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Voilà, alors... Et le cœur est libre maintenant pour adorer le Seigneur. Oui, oui, je suis... Et j'ai été dans Google. Oui, raconte-nous ça. Curieuse. Et j'ai commencé à taper christianisme, j'ai dit à Mimi, christianisme, catholicisme et orthodoxe. Oui. J'ai voulu voir qu'est-ce qui les différencie. Oui. Et en rentrant dedans, je suis tombée sur... J'ai envoyé à Mimi, c'est ça que je regardais pour vous montrer tout à l'heure. Et je suis tombée sur un jeune qui parlait de... Oui, Mimi, c'est pas arrivé. Un jeune qui parlait... Voilà. La différence entre un vrai chrétien et catholique. Oui. C'est qui ça? Qui a fait ça? C'est quoi? J'ai l'impression qu'il a pris tous vos passages. Ça m'a donné ma chair de poule. C'est ce que je disais à Mimi. Je te l'ai envoyé, mais Mimi l'a pas reçu. Ils sont là. Oui. Et. Ça, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Bonjour à tous. Voilà, c'est la première fois depuis un petit moment que je refais, que je fais surtout sur cette chaîne, parce que moi je faisais des podcasts de jeux. C'est la différence entre un vrai chrétien et catholique. Première partie sur trois, c'est celui qui a la chaîne Aldo Butsi. Butsi, c'est B-U-C-C-I. Oui. Ah ben voilà. Donc, donc tu as fait la recherche sur YouTube. Google. Non, je suis rentrée dans Google, j'ai tapé pour voir. Je voulais voir quel est bon par rapport. J'ai toujours dit que je n'étais pas curieuse, mais ça m'a donné cette curiosité aujourd'hui. Pour vérifier un peu quoi, pour essayer de voir. J'essaie pas de vérifier, j'essaie d'augmenter, de savoir plus, de me documenter. J'ai d'abord essayé comme ça, et ça m'a donné effectivement les passages de tout ce qu'on a parlé hier. Oui. Mais exactement, et c'est ça qui m'a
un petit marqué. Tout ce que j'ai lu sont revenus parce qu'il mettait les passages sur son écran. Hein. Voilà, sur l'écran passé. Oui. Je l'ai même envoyé à Mimi pour qu'elle regarde. Et après de là, est sorti encore. Ils sont passés dans plusieurs sujets. Oui. Y a eu un moment où on parlait de la veuve, de la Vierge Marie. Oui, ça. Ils ont montré le film. Si vous regardez, c'est marrant parce qu'ils mettent la Vierge Marie et tout ce qu'il ne faut pas faire de jeune homme. Oui. Les images à ne pas mettre, ne pas suivre les trucs. Ils expliquent le rosaire, tout ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas utiliser ça. J'ai commencé à endoctriner aussi les catholiques de l'hôtel. Donc, du coup, tu as commencé aussi à dire que est-ce qu'ils savaient que c'était pas bon Quels sont les retours? Les retours, c'est la majorité des gens, j'ai l'impression, étaient plus au courant que moi. Oui. Et ils le font quand même. Mais n'est-ce pas curieux ça? C'est curieux, ils le savent. Donc il y a des gens à qui tu parles et ils disent. Ils te disent oui, je le savais. Et ils font. J'ai dit, moi je l'ai su, je l'ai arrêté. Oui. Le jour où je l'ai su. Oui. Mimi m'en avait parlé. Mmh. Elle m'avait dit. D'abord, c'est pas bon les images, mais elle m'avait dit de te prier. Mmh. C'est pas que je n'étais pas convaincue. Je n'étais pas peut-être prête. Mmh. J'ai pris une partie, je n'ai pas pris tout. Oui. Mais à ce moment, quand même, j'ai arrêté de m'agenouiller. Mmh. Je n'ai plus allumé de cierge devant la Vierge. Ça, je ne l'ai plus jamais fait. Mmh. À partir de ce jour. Amen. Et hier, par contre, j'ai enlevé tous les chapelets que j'avais dans la maison. Tout et j'ai tout sorti. Mmh. Parce que c'est basé au moins sur la parole. Voilà, parce que c'est basé. Mmh. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'était hier, je l'ai fait. Ça, aujourd'hui, dans le truc, j'ai voulu savoir pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas. Et je suis contente de l'avoir fait. Parce que ça m'a ramené, je t'ai dit, à ce que Junior m'a dit. Tous les passages qu'on a vus hier, je les ai revus. Mmh. Et puis, c'est marrant parce que hier, on n'avait pas d'image. Mais là, les paroles, comme vous avez dit, étaient répétées de la presque de la même façon, mais avec des images. Avec des images, voilà. Ça veut dire que quand il parlait des images, le chapelet, il le montrait. Et quand il parlait de le passage, je ne sais plus, je voulais le stabiloter, le passage où vous m'avez dit, ça vous fait penser à qui? Et je vous ai dit, les cardinaux. Les cardinaux. Okay, ils ont montré les cardinaux. Avec les pourpres. Avec pourpre et... La et grande galate. Chaîne en or avec la croix qui est immense. Oui. Et c'est là que j'ai... Ce sont des images qu'on ne fait pas attention d'habitude. Et là, ça m'a marqué. Voilà. Et j'ai vu le pape. Mmh. Voilà. Et après, bon, évidemment, je suis allée en plein dedans. Quoi. Après, j'ai vu même ce qui s'est passé. Les journalistes qu'ils ont raconté sur le pape hier. Tu sais que le pape était parti en Irlande. En Irlande. Et il a fait une déclaration sur des pédophiles bébés, même de commencer petit à les traiter. Et le Vatican a essayé de rectifier cela. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on les attaque pour beaucoup de. Il va y avoir un qui doit. Voilà, ils veulent la démission, mais ils disent que le pape devrait démissionner. En tout cas, ça, c'est son problème. Continuons ici. Donc, quand tu interroges dans les gens et tu fais entendre à quelqu'un raison en disant ah, j'ai découvert telle chose sur le catholicisme, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, c'est démoniaque. Mais un être humain qui est sensé, qui réfléchit, te dit « Ah oui, je savais cela depuis… » J'ai entendu ça plusieurs fois, Tu penses que quel est son problème, cette personne qui te répond comme ça et qui continue quand même à faire… Moi, pour moi, c'était surtout celui qui m'a répondu ça, c'est quelqu'un qui n'a fait aucune étude, qui n'a jamais… Je lui ai demandé « Est-ce que déjà… » C'est la première chose quand je le lui ai dit qu'il m'a répondu. Bon, après, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, le pauvre. Les trucs. Mais moi, je vais donner une autre réponse. Non, mais attends, moi, je le connais personnellement, il travaille dans mon équipe. Oui. Il m'a répondu, bon, il est analphabète. Déjà, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je lui ai dit, est-ce que tu as appris la Bible? Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Il m'a dit pas entièrement. Je lui ai dit comment tu l'as lu puisque je sais qu'il ne sait pas lire. Oui. Alors je voulais savoir comment il fait pour lire la Bible puisqu'il me dit qu'il connaît la Bible. Et il me dit oui, c'est ce qu'on lui dit. J'ai dit alors tu ne l'as pas lu. Parce qu'il faut savoir lire pour lire la Bible. Et je dis lire la Bible, c'est pas seulement de le lire comme ça, et il faut avoir un appui. Pour bien le comprendre, parce qu'on m'a dit j'ai déjà lu la Bible, mais j'ai pas compris avec le peu qu'on a fait hier, je vais dire le peu, puisque j'imagine que c'est rien par rapport à ce qu'il s'étudie. J'ai beaucoup appris et ça me... Voilà. Bon, après, les gens, ils font comme ils veulent. Moi, l'essentiel, je pense qu'avec le temps, peut-être que
je vais réussir à les enlever de ça, peut-être pas, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il cherche. Lui, il a perdu sa maman, il l'a enterré hier, il est venu avec le chapelet tout grand dans le bureau, le chapelet de sa maman tout gros, voilà. Et chaque personne, chacune des personnes qui s'y trouvent, sont, ces gens-là sont sincères. C'est ça. Croient servir Dieu. Il est persuadé de servir Dieu. C'est ça le problème, c'est que c'est un illettré qui rate les jours d'église parce que il travaille le dimanche pour aller à la messe parce que voilà. Et que lui, pour lui, il est en train de il me demande tout le temps des prières. Moi, c'est vrai que je lui faisais souvent des prières. Oui. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a jamais lu. Je pense pas qu'il sache. Mais au moins, comme cette personne ne lit pas. Voilà. Ce serait mieux de lui donner cette vidéo que tu as découvert sur YouTube. Pour qu'il l'entende. Mais j'ai mis ça dans le bureau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça même bien. Il a entendu. Ah, ben oui, chaque fois qu'il rentrait, il entendait ça. Moi, j'ai fait des recherches. Et même quand je parlais avec toi, il était dans le bureau. Ah oui, où je t'expliquais. Il était assis dans le bureau. J'ai fait exprès d'entendre parler. Parce que j'aurais pu attendre d'arriver. Mais c'était pour qu'il m'écoute. Puisque je lui ai parlé, je voulais qu'il sache que. Et il m'a dit. Tu donnes tout, parce qu'il y avait des chapelets dans mon bureau et tout, j'ai tout enlevé. Alors il me dit, je lui ai dit que moi j'étais plus catholique. Depuis hier, j'étais plus catholique. Il m'a regardé comme ça, j'ai dit oui. il était dépassé. Oui, il m'a dit, ah, comment c'est possible? Je dis que maintenant j'étais chrétienne et que je servais Jésus. Je servais Jésus-Christ et que Jésus-Christ, comme c'est le Fils de Dieu, je lui demande lui de m'aider à aller vers Dieu. Amen. Voilà, et il m'a dit, ah. Mais il n'a pas voulu creuser davantage, sachant que ça devait le blesser aussi. Il ne peut pas creuser. Hein. Moi, je vois Étienne aussi, c'est vrai, le même cas. Moi, je dis, oh, c'est pas qu'il est moi, je vois ma mère qui lit. Mais ce que C'est un choix. Non, c'est même pas, c'est qu'elle est sincère. Hein. Mais ce que je crois très, que l'Église catholique a fait un travail. Pour moi, quand je regarde ma mère, je me dis c'est pas possible. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus facile pour nous qui n'étions pas. Ah oui, bien sûr. On n'a pas été endoctrinés. Moi, je suis pas, j'allais pas à la messe. Oui. Je faisais pas le chapelet. Tu veux dire, je n'avais pas. Il n'avait pas trop d'emprise. Il n'avait pas trop d'emprise sur moi puisque j'étais anti-église. J'étais anti-anglais. La dernière fois, je suis allée à la Noël. Mon neveu va à l'église, je dois aller le chercher. Je le dépose, je viens le chercher. Ça me coûtait quoi de rentrer? Voilà. Tout le monde me voit dans le parking. Jean-Marie Gras qui rentre dans l'église, qui me voit. Il me dit, vous n'avez pas été à la messe? Je lui dis, oui, hier. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Alors, l'exemple de l'abbé à Dakar. L'abbé Chaksek. Depuis 1975, qu'il a commencé, 1975 jusqu'à date. Mais nous avons causé, on a vu les écritures, il a dit clairement que c'est vrai ce que je dis. Mais il dit qu'il est catholique. Oui, que la Samarie, mais le problème, parce que les catholiques, ils ont appris le catéchisme. Comme j'ai lu, moi, comme j'ai vu dans entre eux, ils expliquent bien comme tu as expliqué, j'ai encore mieux compris encore, dans le sens où ça m'a ramené dans ce que tu as dit. Ils te disent bien, c'est des rajouts. Il y a la Bible, les protestants, ils ne changent rien de la Bible. Absolument. Rien. Il utilise la Bible, il proteste en fait, ça vient du mot protester. Pour protester le surplus qu'on pourrait mettre, il le garde comme il est nature. Tu as les orthodoxes qui viennent d'Orient. Oui, ils ajoutent d'autres choses encore aussi. Ils rajoutent aussi d'autres choses. Et tu as les chrétiens, eux qui englobent tout ça. Tout ça rentre dans le christianisme en fait. C'est ça le christianisme. Le christianisme c'est un mélange de paganisme. C'est la base. Mais les disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole uniquement. Voilà. Et je crois qu'il paraît que quand même le christianisme quand même disent que croit au pape. Hein, oui. Mais il n'est pas. Oui. C'est ça que j'ai aimé. Oui. Ça veut dire qu'il est représente le guide. Le guide pour les catholiques. Pour les non, qui disent que pour même la religion. Par contre, il n'est pas le chef. En tout cas, dans la religion du christianisme, le pape est le chef. En fait. Il est le chef de toutes les religions. Voilà. Il est le chef de toutes les religions, que ce soit musulman. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait le concile et les différents conciles. C'est lui le plus important. C'est lui le plus important. Parce que quand vous regardez le siège déposé, vous voyez que son siège est toujours plus surélevé par rapport à toutes les autres religions. Voilà. C'est ce qu'ils disent. En réalité, donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la porte des dieux. Porte des dieux veut dire Babylone. Le mot Babylone veut dire porte des dieux. C'est pour ça que lui, il est le chef de Babylone. Tu vois cela? Maintenant, pour ce qui est. Ça c'est le christianisme. Gardez à l'esprit que.
le christianisme est différent de ce que Jésus est venu faire sur la terre. Mm-hmm. Parce que le christianisme, c'est un système religieux. Mm-hmm. Alors que la vie chrétienne n'est pas un système religieux, mais la vie de Christ dans les cœurs. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Mm-hmm. Le christianisme consiste en différentes formes de religion ou bien des rituels que les hommes ont fixés avec, en essayant de phagocyter la Bible pour pouvoir utiliser à ce but-là. Mm-hmm. Pourtant, le chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est lui qui suit Christ. Qui suit le Coran, la Bible. Tout simplement. Tout simplement, sans aucun rajout. C'est ça. Et, mm-hmm. ceci, c'est différent du système religieux du christianisme. Mm-hmm. Voilà, c'est ça qu'il en est. Mm-hmm. Alors, il y a même les disciples de Jésus-Christ hein, oui. sur Google. Oui, les disciples quand de Jésus. Tu tapes, j'ai tapé ça, je suis rentrée. Je suis rentrée disciple de Jésus-Christ. Et il y en a des pages. Hein. Voilà. Je n'ai pas encore pu tout rechercher, mais. Il faut regarder. Non, faut mais regarder. Ça m'intéresse, moi. Il faut regarder. Parce que le garde à l'esprit, hier, nous avons commencé à lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 2, mm-hmm. où le Seigneur avait donné la Torah à Moïse. Il a dit qu'on veille à examiner et à vivre tel que c'est donné, sans rien y ajouter, sans rien changer. Et quand nous avons fini avec Apocalypse 22, mm-hmm. où il a dit la même chose, qu'il ne fallait pas y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher. Mm-hmm. Donc la Bible est faite pour être observée telle qu'elle. Mm-hmm. Voilà. Donc ça veut dire que tu as passé de bons moments depuis ton baptême alors. Oui. Mm-hmm. À aucun moment dans ton cœur, tu n'as eu des résistances qu'il faut qu'on arrête le baptême? Ah non, du tout. Pas du tout. Au contraire. Tu étais content. Je suis contente de l'avoir fait. Mmh. Je n'ai aucun regret. Et on a je ne l'ai cas. Pas fait. Je ne l'ai pas fait. Quand je l'ai fait, je ne. C'est pas parce que Mimi me l'a dit ou parce que vous êtes là. Mmh. C'est parce que c'était déjà dans ma tête. Mmh. Ça s'est passé que vous êtes là. Peut-être que je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre. Peut-être que puisque j'avais le geste de le faire déjà. Alors oui, maintenant ce que vous avez changé en moi, c'est que vous m'avez donné des éléments qui ont fait qu'il y a des choses que j'ai retirées de ma vie. Oui. Voilà, c'est ça. Par contre, là c'est vrai que d'habitude je suis un peu plus réticent et j'ai trouvé quand même que j'ai... Après je me dis peut-être que aussi j'avais le cœur déjà qui me faisait sentir ça. C'est pas comme si j'écoute vos paroles et que je fais effectivement ça. Hein. Je ne veux pas qu'on pense ça. Oui. Je le fais parce que moi-même c'est quelque chose... Voilà, et que je ressentais déjà au fond de moi quelque chose qui me dérangeait. C'est pas parce que vous l'avez dit que je vais le faire. Exact. C'est parce que je sens que depuis longtemps, qu'il y avait quelque chose, comme je vous ai dit pour le signe de croix, quand je l'énonce, j'ai une gêne, j'ai un arrêt. D'aller à la plage et de le fait d'aller à la plage et de chaque fois me faire comme si je me purifiais. La Vierge, je n'ai jamais su faire un chapelet, c'est quelque chose qui était trop lourd. J'ai voulu fatigant faire comme et voilà ennuyeux. Et ennuyeux que je n'aime pas. Voilà. Maintenant je trouve que tout a été positif. Franchement, c'est positif. Et la prière a été ma prière aujourd'hui a été beaucoup plus courte que d'habitude, mais je pense. Et là, au moins, tu t'es aussi adressé intense. À Dieu directement. Hein? Et là, tu t'es adressé à Dieu directement. Oui. Ouf. En fait, je parle à Dieu, en fait. Mmh. Jésus, mon Seigneur, c'est tout. Je te confie ma journée. Mmh. Amène-moi sur le bon chemin. Mmh. Aide-moi à ne pas te... Voilà, à ne pas... Maintenant, il faudra passer le temps dans la lecture de la parole. Voilà, beaucoup c'est plus. Ça. Oui, tout à beaucoup fait. Plus. Il faut se nourrir de la parole parce qu'il faut se souvenir que c'est à cause du manque de la parole que tu as été amené en dérision. Mmh. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Il faut te dire... Ah, le ministère, enfin, la religion appelée christianisme, c'est un danger si on y va sans connaître. Sans par savoir. Conséquent, sans savoir là où on en est allé. Donc, mieux, je m'équipe d'abord. Oui, oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour cela que je disais à Mimi, en fait, comme je vous l'ai dit hier, je reste toujours. Je veux lire, bon, la Bible, je serai obligée ici parce que ma Bible, elle est vraiment trop petite et avec mes problèmes maintenant de vue, il me faut des loupes, je ne vois rien, en plus, la nuit, tout ça. C'est où j'ai vraiment le moment. Bon, la journée, quand j'ai des petites pauses, avant j'allais traîner dans les bureaux pour papoter. Mmh. Et je mets mes écouteurs et je vais. Écouter. J'écoute. Mmh, voilà. Bon. Je ferme la porte de mon bureau puisque je suis un bureau où je suis souvent seule. Mmh. Je ferme la porte et puis j'ai le temps. Quand quelqu'un vient, j'arrête. Mmh. Je mets une autre page parce que ça ne les intéresse pas non plus, c'est ma vie. Et puis voilà. Et ce sont des moments perdus qui ne servaient à rien, que je faisais des. Qu'il faut gagner maintenant. Que je gagne en faisant plus de lecture. Mmh. Par contre, quand j'ai lu ça, le passage que je te disais, Mimi, bon, voilà, dans tout ce que j'ai regardé,
Il y avait plusieurs Timothée, chapitre 2, verset 5, dans l'Ancien Testament. Dans 1 Timothée, chapitre 2, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà. Pour vous dire comment ça commence le truc, c'est là que j'ai pris, parce que c'est des passages que hier, j'ai pas, en parlant, on n'a pas eu le temps de noter. Oui. Et comme c'était la même chose que j'ai voulu noter pour avoir aussi un appui, voilà, j'ai pris. Désormais, maintenant, ça devient ta fondation, au point aussi, il arrive que les gâteaux, parce que quelqu'un pourra te dire, prouve-moi. Voilà. Là, tu as noté les preuves. Voilà. Après, maintenant, tu vois, parce qu'ils disent à la fin de ce reportage, lire la Bible. Voilà. Et ils disent de commencer, c'est ce que j'ai dit à Mimi, de commencer par le Nouveau Testament. Nouveau Testament, oui. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et c'est pour ça que je l'ai écrit pour vous le dire. Est-ce que... Non, commence par là-bas. Mais pourquoi je t'ai dit, d'accord. Mais je n'ai pas de base. Pour moi, je veux commencer. Il faut commencer par le Nouveau Testament. Non, parce qu'il y a la raison pour laquelle il faut commencer par le Nouveau Testament. Ils ne l'ont pas encore mis. C'est pour ça que je lui demande à Julien. C'est pour ça, mais j'allais lui demander, c'est pour cela. Dans le Nouveau Testament, si tu commences dans le Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est symbolisé par l'homme. Il y a des choses qui sont dites en image et la réalité, c'est dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, on a les choses plus clairement. Dans le Nouveau Testament, par exemple, vous allez voir effectivement, si tu commences dans Matthieu, au chapitre 1, verset 18, on va parler de la généalogie de Jésus. Voici de quelle manière est venue la naissance de Jésus. Puis on va expliquer comment Marie, Jésus a grandi et le pourquoi il est là. Tu vois cela? Or, de façon claire et explicite, on dit le pourquoi il est là. On voit comment il grandit, les choses qui lui arrivent, comment Dieu le présage, et on le voit entrer en scène et annoncer son message et dire comment faire pour être sauvé. Et quand il est mort et ressuscité, on voit comment les gens qui ont eu foi en lui ont continué à marcher. Par conséquent, lorsqu'en lisant le Nouveau Testament, ce serait exactement comme tu venais de croire et tu cherches aussi à marcher comme avec Jésus et tu le vois et le suis effectivement comme les disciples le font. Par contre, si tu lis l'Ancien Testament, d'abord, il y a des choses qui sont dites en parabole pour annoncer ces choses-là. Tu vois cela? Oui. Par exemple, quand tu vas lire dans la Genèse, tu vas voir que Caïn a assassiné Abel. Je l'ai lu, Tu vas te poser la question, pourquoi est-ce qu'il a assassiné Abel? Voilà. Ça montre clairement que l'Antichrist est censé, le fils de la perdition est censé livrer Jésus pour être tué. Mais on n'écrit pas là-bas que l'Antichrist va livrer Jésus pour être tué. Tu vois cela? Mais ce sont des images pour signifier des choses qui doivent venir. Et par la suite, au chapitre 5, tu vas voir, la Bible déclare, de Genèse, à l'âge de 130 ans, Adam conçut, Adam enfanta encore engendra un fils selon son image et lui donna le nom de Seth. Donc Seth maintenant c'est la représentation de la résurrection de Jésus. Voilà, moi donc, je l'ai lu, voilà. Genèse, mais je ne l'ai pas compris. Justement. C'est pour ça que je disais je ne comprends pas. Voilà, maintenant quand après avoir lu le Nouveau Testament, je vais pouvoir recommencer quand prendre l'Ancien Testament. L'ancien, ça va venir naturellement, d'accord. Okay. Si tu lis l'Ancien Testament, donc tu vas dans le livre d'Exode, là où Dieu prescrit de donner des sacrifices, tu vas dire, ah, si tu n'as pas encore le Nouveau Testament, tu as dit, donc les musulmans ont raison. Pourtant, ça n'a rien à voir. Tu vois, tu as dit, mais malheureusement, raison de faire la fête des moutons, ça n'a rien à voir avec eux. Tu vois, pourtant, ces agneaux-ci que Dieu donnait, ils signifiaient que l'homme a un problème de péché et c'est par le sang que le péché doit être pardonné. Et donc, quand Jésus vient en scène, quand tu vas lire Matthieu chapitre 1, Jean-Baptiste dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il appelle l'agneau parce que dans l'Ancien Testament, on disait qu'il y avait l'agneau qui est censé enlever le péché. Donc, c'est lui qu'on annonçait comme ça. Donc, voici donc le pourquoi. Il faut écouter d'abord par le Nouveau Testament. Je commence le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, et quand mais je l'ai rien. Fini, oui. Je lis. Non, même si tu lis le Nouveau Testament une seule fois, ne va pas directement dans l'Ancien. Quand tu vois fini le Nouveau Testament, recommence encore la lecture. Tu relis au moins 3 ou 4 fois le Nouveau Testament. Pour bien comprendre. Pour bien assimiler. Voilà. Pour que quand j'aille dans l'Ancien Testament, les choses seront plus claires. J'aurai compris ça pour pouvoir mieux interpréter. That's it. D'accord? Sinon, quand tu vas ouvrir l'Ancien Testament, tu vas voir Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Tu vas dire ça. C'est pour ça que je disais, je voulais qu'on me dise. Oui, quand je prends la Bible, j'ai commencé comme tout le monde comme ça et. Mais sois constant. Ouais. Soyez déterminé. Vous pouvez faire un programme de lecture à deux. Mmh. Où vous lisez à deux et puis vous travaillez. Et puis même au téléphone, quand vous êtes dans le même pays, vous partagez au téléphone, lui en soirée, où vous avez des jours de rendez-vous. Comme elle a déjà avancé, elle moi, peut recommencer je encore. Suis pas, non, je elle est à Mathieu, je crois. C'est là que je suis en train de filmer. M'avait donné un objectif que j'avais pas.
Et là, depuis que j'ai sa Bible, je recommence à lire. Voilà. Alors, je vais commencer à lire, comme ça, je pourrais, on pourra discuter, comme ça, voilà. Oui, écoute, si tu lis le matin, tu te lèves le matin avant d'aller au travail. Tu te lèves le matin, tu te mets à genoux dans ta chambre. Mm-hmm. Tu commences dans Matthieu chapitre 1, tu lis deux chapitres de Matthieu. Mm-hmm. Avant de prier pour recommander ta journée à Dieu. Mm-hmm. Le soir, en rentrant, après avoir fait tout ce que tu as fait, tu lis deux chapitres, dans la suite. Donc, mm-hmm. chapitre 1, chapitre 2 le matin. Le soir, chapitre 3, chapitre 4. Ça fait 4 chapitres par jour. Mm-hmm. Matthieu a 28 chapitres. En l'espace d'une semaine, tu as fini Matthieu. Okay. De façon constante. Tu vois cela? Et au fur et à mesure, je lis ça d'abord avant de prier. Oui, tu lis, tu pries. Parce que le langage, la prière, lorsqu'on énonce la prière après avoir lu la Bible, c'est en vertu de la parole de Dieu qu'on venait de lire. Parce que la prière, plus tu lis la Bible, plus il y a des langages qui ne vont plus sortir. Parce que la lecture de la prière transforme notre être et transforme notre intelligence et nous donne le langage des prières, le langage que Dieu veut de nous. C'est pour cela que la Bible déclare, si vous lui demandez quelque chose selon sa volonté. Or, sa volonté, c'est dans la Bible. Donc, en lisant la Bible, tu commences à connaître quelle est la volonté de Dieu. Mm-hmm. Les choses que tu n'as plus demandé, les choses que tu vas demander. Peut-être tu pries. Enfin, ne t'inquiète pas. Quand tu vas commencer à lire Matthieu, tu vas voir effectivement que, avant là, je priais vraiment mal. Tu vas te rendre compte dans la Bible. Mm-hmm. Tu vas dire, ouf, punaise, où étais-je? Et tu vas voir effectivement que Dieu est miséricordieux. Parce que si Dieu voulait punir chaque personne, c'est qu'il devrait détruire tout le monde. Mm-hmm. Donc, lis tout simplement et laisse Dieu prier au travers de toi. Mm-hmm. D'accord? Là, je découvre d'ailleurs que c'est un truc que je disais tout à l'heure. Quand on demandait comment faire pour être sauvé. Oui. Et en fonction de la réponse, je sais. Tu entends là-bas. En fonction de la réponse, comment faire? C'est sûr qu'elle est fatiguée. Non, je ne suis pas fatiguée. Okay. Elle parle comme, elle est comme ça, de la nature. Oui. Moi, je suis plus dynamique. C'est pas pareil. Elle est feignante. Quand je vous ai dit qu'elle est paresseuse, même dans le langage, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la paresse. Mm. C'est que je disais que j'avais mal encore aussi. Tu vois, c'est naturel. C'est naturel. Mmh. Voilà. Mmh. Non, je disais que j'avais lu dans Matthieu tout à l'heure que quelqu'un avait posé la question à Jésus pour dire comment être sauvé. Oui, continuons. Et Jésus a répondu, a posé un certain nombre de questions dont je ne me souviens pas. Oui. Pour répondre. Non, la question c'est comment, qu'est-ce que faire pour avoir la vie éternelle? Comment faire pour avoir la vie éternelle. Voilà. Mmh. Jésus a dit, tu connais le commandement. Il a dit lesquels, lui a cité ceci. Oui. Il a dit qu'il a fait tout cela depuis sa naissance. Voilà. Oui. C'était pas ça. C'est pas ça au chapitre 10. Non, c'était pas ça. La suite de ça, c'est qu'il a dit vends alors tout ce que tu as. C'est oui, c'est ça dont il est question. C'est un riche qui a abordé Jésus. Il a dit bon maître. Il y a un autre par la suite. Oui. Il a posé et Jésus a dit que l'homme ne peut pas être sauvé en tant que personne, non? Non, je crois que c'est moi qui vous l'ai chargé, en fait. C'est ça, donc, ça c'est... Que finalement, oui. Que cela ne dépend que de Dieu. Oui. C'est attends, je ne sais pas après moi, d'ailleurs. Alors, pendant qu'elle allait chercher son passage, là, s'il arrive arrivé au Cameroun, si le Seigneur permet, on va t'envoyer une Bible comme ça. Oui. Parce que là, les écrits sont plus... plus gros. Sont plus grands. Et puis j'arrive sur le figuier maudit, si je ne comprends pas cette histoire de figuier maudit, Le figuier maudit. Oui. Jésus a maudit le figuier, je ne sais pas ce que le figuier lui a fait. Ne t'inquiète pas, lis seulement, tu vois. Moi, ce que je voulais savoir aussi, oui. C'est parce que aujourd'hui, hier, je n'en ai pas parlé. Mmh. En fait, moi, les saints, ça n'a jamais été ma préoccupation, les saints. Ce n'était pas les saints. Moi, c'était les anges. Oui, voilà, la prière des anges. Mmh. Donc, il faut que ce soir, on voit si oui ou non, on doit prier les anges. Oui, voilà. Ça, c'est important pour moi. Très important. Parce que je prie les anges. Oui. Et je voulais savoir si je dois continuer à le faire ou arrêter. Voilà, c'est la Bible. C'est pas les saints, parce que moi, ça ne m'intéressait pas les saints. C'était Anna les saints. Oui. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut qu'on examine au travers de la Bible. Voilà. On va voir déjà de façon claire ce que la Bible dit par rapport aux prières déjà, et puis aux anges, et puis quelle est la mise en garde. D'accord? Voilà. Vas-y. Donc, nous allons voir maintenant les catholiques qui prient les anges. Oui, il disait que cela dépendait de Dieu. Bon, je n'ai pas retenu, malheureusement, je vais voir. La Bible est intéressante, n'est-ce pas? Là. Il y a là. C'est après, c'est à la suite de j'ai observé toutes ces choses. Riche, voilà, je parle de la
C'est le sauver, c'était bien le sauver. Oui. 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Qui peut donc être sauvé? Qui peut être sauvé? Oui. Alors, tu vois, la personne qui a posé la question, comment faut-il faire pour être oui, sauvé? Oui, c'est moi qui m'appelle. Il dit aux hommes, cela est impossible, mais tout, à Dieu, voilà, tout est possible. C'est oui. Ça, la question. Parce qu'en réalité, les disciples entendent donc, à savoir que cette condition-là, les conditions sont rudes. Non, c'est ça. C'est rude, pas vrai? Oui. On n'est que par la grâce, si Dieu veut seulement. Si Dieu a décidé. Et puis après, on va parler de figuier. Donc là, maintenant, nous allons voir le, quoi, avec les anges, quoi. Le figuier maudit. Le figuier maudit, oui. Il avait eu faim, il n'a pas trouvé de figuier. Il a vu effectivement que ça veut dire clairement que celui qui ne travaille pas sera déraciné, quoi. Pas vrai? Il maudit le figuier parce que c'est une parabole aussi? Oui, c'est une parabole. Parce que le figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouvait pas de, il ne trouvait que l'Israël. Parce que dans la Bible, le figuier représente Israël. Ah, que jamais fruit ne naisse de toi. Oui. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Pour moi, je voulais savoir quel était le message que vous voulez transmettre. Le message se trouve en bas, parce que si tu continues à lire, tu vois effectivement que. Ce que vous demanderez avec la foi. C'est ça, il voulait parler de la puissance de la parole prononcée par la foi. C'est-à-dire que si Dieu dit par exemple que va, tu trouveras ainsi. C'est ça. Tu le trouveras de la même façon. Après, il faut qu'on revienne sur mes trucs, après avoir répondu sur les trucs des anges. Pourquoi Jésus est dur avec son Église. On y va. Oui, parce qu'on a commencé pourquoi. Non, je demande ce que tu viens de me poser comme question là, pourquoi ce soir. On a déjà commencé. On avait commencé. Tout à l'heure. Oui. Par rapport à ce qui... Non, on va finir ici parce que l'autre c'est facile. Moi, oui. Ou bien... Elle doit rentrer. Non, allons-y, assieds-toi donc, on va commencer. On y va. Les anges. Oui, donc, nous allons voir donc c'est concernant donc les anges. Ouvrons de la Bible. Une fois de plus, Deutéronome chapitre 4. Deutéronome. Oui. Je crois que dans la première, la première partie hier, nous avons commencé par là. Où sonnez Deutéronome. C'est l'Ancien Testament. Absolument. Mais déjà, je fais mieux la différence. Oui, c'est bien bon. J'ai appris. Donc ça évolue quoi. Ça avance. Hein? Chapitre combien? Chapitre 4. C'est le même. Ouais. Hier, de la même façon, hier, nous avons commencé par ce même livre. Nous commencerons maintenant par là même. Hier, nous avons lu le verset 2, puis le verset 15 à 19. Lisons maintenant le verset 15 à 19. 15 à 19. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Oui. De peur que vous vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Nous voulons attendre, c'est bon. Là, principalement, Dieu parle des cultes des anges, des cultes des êtres célestes. D'accord? Là, principalement. C'est vrai que tu ne vois pas le mot ange, pas vrai? Je ne vois pas le mot ange. Ah, c'est parce que tu n'as pas la Bible. Tu n'as pas la Bible. Je t'aurais demandé de souligner armée des cieux. Tu l'as, toi? C'est quel Deutéronome 4? Deutéronome 4. Elle n'avait pas ouvert, quoi. Si, je l'ai ouvert, mais je ne voulais pas vous interrompre. Oui. Donc, ça, il faut noter, tous ces passages que nous avons fait là maintenant. Parce que, comme tu fais dans l'investigation, comme Anne-Marie Capomatio. Ça est le correspondant de RFI à New York là-dedans. Chapitre 4, merci. Deutéronome. Oui. Donc il faut écrire le titre. Nous sommes en train de voir là la prière. Doit-on invoquer les anges? Doit-on invoquer les anges? Invoquer les anges. C'est ça la question. Je ne fais pas de prière aux anges. Oui. J'invoque des fois les anges. Par exemple, comme on dit, l'ange Michael, lance ici, fais telle chose, fais telle chose. Pas vrai? Un peu comme ça, ouais. Un peu, mais même, je les cite même pas. Oui. Deutéronome 4, verset.
Verset 14, verset 4, 15 à 19. On y va. Maintenant, comme je veux que tu soulignes le groupe de mots armés des cieux, d'accord? Ou armés du ciel. Qui est noté là-haut? Assez? Peut-être c'est entré, peut-être que tu as mis ça, c'est peut-être c'est. Soit c'est. On peut continuer. On peut continuer. Souligne juste la terminologie au verset. Tu t'es arrêté à quel verset? Une petite croix. Je vais 15, hein? Verset 15. Lis le verset 15. 15. Lis le verset 15. Lis d'abord. Non. Le cas est grave. Alors, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Oh. Tu lis quoi? Excuse-moi, 15. Hein, tu as commencé 15. Oui. Deutéronome. Veuillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation. Ah bon, mais Anne-Marie, c'est ce qu'elle a lu en fait. Tu veux confirmer ou... Non, vas-y, lis. Je veux que tu arrives là-bas où tu vas souligner. D'accord. Une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Stop. Donc, nous voyons effectivement ce qu'est verset là. Et à leur rendre un culte. À leur rendre un culte. Mmh. Tu vois effectivement l'Église catholique. L'Église catholique, ce qu'elle a fait là. Mmh. Ce qu'elle a fait. Donc, nous voyons ici. Bon, tout à l'heure, j'ai dit, puisque nous sommes de parler, est-ce qu'il faut, on doit prier un ange ou quoi que ce soit? Mm-hmm. Dans les prières catholiques, il y a des différents anges assignés à chaque date et chaque jour, et peut-être particulièrement aux heures. Mm-hmm. Et on incite donc les gens à prier en invoquant son ange gardien ou quoi que ce soit, ou des assistances. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir cela. Mm-hmm. De façon spécifique ici, Dieu parle des anges qu'il faut qu'on fasse attention à aller adresser un culte. Vous avez la souligné, n'est-ce pas? Maintenant, on va entrer. Le but maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu entend par armée des cieux. Déjà, lorsque nous comprenons par armée, on parle de troupe, d'une troupe de personnes. D'accord? Une troupe de personnes. Quand on parle de l'armée, comme par exemple l'armée de terre, l'armée de l'air. Mais ici, il dit l'armée des cieux. Donc, ce style d'armée se trouve dans les cieux. Mais dans la suite de la lecture, nous allons voir effectivement qu'en réalité, le ciel est divisé en deux catégories. Le ciel qui est au-dessus de nous, c'est divisé en deux catégories. Deux, au mieux, encore deux lieux. Il y a un lieu contrôlé par Lucifer et ses anges. Mm-hmm. C'est donc ceux-là donc, que la Bible appelle ici par armée des cieux, de façon spécifique ici. Mm-hmm. Et il y a donc au-dessus de l'armée que contrôle le chef de l'armée céleste, appelé Michael. D'accord? Mm-hmm. Donc maintenant, je vais encore aller tous doucement parce que je n'avais jamais parlé de cette chose parce que je vois vraiment le mal que les catholiques ont fait aux gens. Mm-hmm. Déjà, nous voyons que Dieu interdit. Que quand on lève les yeux, on soit amené à se prosterner. Et qu'on leur rend un culte. Ici, Dieu n'est. Il y a deux catégories d'armée des cieux, je spécifie encore. Il y a deux catégories d'armée des cieux. Il y a l'armée des cieux du côté de Dieu, c'est-à-dire que les anges de Dieu et leur commandant en chef appelé Michael. Et puis, chez Satan également, puisqu'ils sont deux catégories. Enfin, ce sont les anges, les dissidents qui ont suivi Satan sont appelés les démons. Maintenant, ils ont pris le logement dans les différentes planètes. C'est pour ça que les bagues des prêtres et autres là-bas, des évêques, sont faits avec les différentes planètes. D'autres sont faits en jaspe, qui ont pour démons, qui est sur Mercure, ainsi de suite, et autres là-bas. Toutes les différentes bagues qu'on baisse là ne sont pas identiques pour chaque personne. Ça dépend de l'ancien, autrement dit, de la planète d'où cela a été chargé. C'est-à-dire que il y a d'autres qu'on charge avec le planète Mercure, d'autres avec Vénus, ainsi de suite, d'accord? Il dit les bagues que les évêques et les archevêques portent entre les mains là. Alors ce que je vais dire, c'est je vais montrer maintenant qu'il s'agit ici de l'armée des cieux de Lucifer. D'accord? Et Isaïe. Allons dans le livre d'Isaïe. Donc, si vous regardez cette maison, c'est un peu comme une maison à deux niveaux. Gardons un peu à l'esprit un R plus 2 par exemple. Et que le rez-de-chaussée, c'est la terre. Et si on prend cet exemple comme ça. Au niveau 1 se trouve la région contrôlée par Lucifer. Mm-hmm.
et au-dessus de se trouve la région contrôlée par Dieu. Mm-hmm. Il y a deux armées en haut. Au-dessus, à l'extrémité, se trouve l'armée de Dieu. Mm-hmm. Tout juste entre l'intermédiaire se trouve l'armée des cieux. Donc Dieu, sachant que les anges déchus viendront sur la terre pour pousser les gens à les adorer, a prévenu les gens dans les Saintes Écritures comme ça. C'est donc pour cela que Dieu va donner dans les prophéties qu'on va lire maintenant, qu'il va déchirer les cieux. Parce que c'est comme s'ils sont gardés dans, au-dessus de la tôle de R1. Et qu'il va déchirer, qu'ils descendent pour les chasser. Je veux juste me rassurer d'un truc. Oui. Je veux juste me rassurer. Je crois que j'ai écrit quelque chose. Oui. Et tu veux vérifier? Pourquoi je veux vérifier? Mm-hmm. Apocalypse. Oui. 20. Oui. Verset 15. Oui. Ça, c'est le dernier verset du verset 15. Mm-hmm. C'est la seconde mot. Là, on va jeter tout. C'est la seconde mot. Ok. Je voulais voir. Ok. C'est bon? Oui, c'est. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Oui. Alors, nous allons lire Ésaïe chapitre 24. Ésaïe, le chapitre 24. Oui, quel verset? Lisons les versets 19 à 21. Donc, la terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Oui. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Tu vois cela? Donc ici, l'armée d'en haut. Tu vois? Donc ici, Dieu en train de parler des anges. Parce que si on parle anges, on va voir, c'est pas dans le domaine que contrôle Dieu, il a les anges. Satan aussi a les anges. Okay. Mais Dieu ne châtiera pas ses anges parce que ses anges ne fautent pas, ne commettent pas de fautes devant lui. C'est parce que la catégorie qui se trouve entre les mains de Lucifer se font aussi appeler pour ange. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible déclare que Satan lui-même s'est fait passer pour un ange de lumière. Tu vois cela? Donc, ça veut dire qu'il en a parlé ici, il dit l'armée d'en haut, quand il va les châtier. Il les châtie parce qu'ils ont commis des choses avec des rois. Sinon, pour cela, vous voyez effectivement les rois de la terre, la majorité, sinon la totalité, prennent les protections. Ils vont chez les marabouts pour prendre les protections. On assigne à leur servir des démons. Il y a des rois de la terre où vous tirez sur eux, ça n'entre pas. Parce qu'ils ont des démons protecteurs au-devant de quand vous tirez celui qui se place, ça ne leur fait absolument rien. Vous voyez cela, n'est-ce pas? D'autres qui se marient avec le tonnerre, comme le cas de Yasser Arafat, ce qui était arrivé, comme le cas de Mohamed Kadhafi. C'est autant de choses là-bas maintenant. Donc ici, nous voyons effectivement comment Dieu dit qu'il va châtier la main, il va déchirer les cieux, il va châtier la main des cieux. Continuons dans cette Esaïe-là toujours. Prenons le chapitre 34 cette fois-ci. Chapitre 34 d'Esaïe. Verset 3, 4 et 5. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent, la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Voilà. Donc, ici, il dit qu'il va rouler le ciel comme un livre. Parce qu'en réalité, quand on voit le ciel, c'est comme si c'était quelque chose de léger et qu'ils sont au-dessus. Dieu dit qu'il va les rouler, il va ouvrir, ils vont tomber. Et quand vous lisez dans le livre de Apocalypse chapitre 12, on dit clairement que Satan, le grand dragon, va être précipité avec ses anges, avec lui sur la terre. Tu vois? Ça veut dire que ce sont eux-là que Dieu, que les hommes adoraient sur la terre. Donc en clair, lorsque un homme, dans la progression, on va voir tout cela. Lorsqu'un homme invoque un ange, ce n'est pas l'ange de Dieu qui va se présenter, on va voir le pourquoi. Parce qu'en réalité, un ange n'a pas l'autorité de quitter le ciel et descendre seul sur la terre. C'est ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures. L'ange ne quitte pas, l'ange n'est pas au ciel comme ça. Et puis, vous dites, si ça s'appelle Gabriel, tu dis, Gabriel, et il descend. À supposer que Gabriel, puisque les anges sont exactement comme l'homme, il ne peut pas être omniprésent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être présent au même endroit, plusieurs endroits, au même moment. Et quand on l'appelle à 500 endroits à la fois sur la terre, comment fera-t-il? Puisqu'il y a un seul Gabriel. N'est-ce pas si on se comprend? Ici, nous sommes à Sali, à Dakar, quelqu'un. Nous sommes 5 ici.
chacun dans sa chambre. Et peut-être dans une autre maison, toujours ici à Sali, quelqu'un a invoqué Gabriel. On invoque Gabriel à 500 endroits seulement à Dakar. Dakar est ce, quoi Gabriel est seul. C'est juste une ville. C'est une ville, voilà, c'est une ville. Il a toute la terre. Et quand on l'invoque, il faut qu'il vienne descendre. Il ne pourra pas le faire. C'est donc pour cela que c'est Dieu qui se réserve le droit d'envoyer un ange sur la terre. Okay. Donc, les anges ne fonctionnent pas sous l'ordre humain. Ça veut dire que Dieu a des anges avec lui. Oui, Dieu a ses anges, c'est absolument. C'est ça que je voulais vous poser la question. On n'a pas à prier pour les anges. C'est Dieu qui peut t'envoyer un ange pour venir te protéger ou t'aider sur quelque chose. Voilà. Et c'est ce que nous allons voir. J'ai vu une partie des anges. Oui. J'ai pas eu le temps et j'ai dit que j'allais vous envoyer. Voilà. Donc nous allons voir les exemples dans la Bible des gens qui ont eu des problèmes et Dieu a envoyé des anges. Les anges viennent pour délivrer des gens des difficultés, pour empêcher certaines choses, des événements d'arriver sur la terre, pour communiquer des messages, pour détruire des royaumes, pour instaurer même les rois sur la terre, des présidents de la République. Les anges viennent en mission pour cela. Donc nous allons voir tout ça. C'est dans la Bible. D'accord? Mais il faut qu'on s'assoie clair avant d'avancer. Un être humain, si c'est met à genoux, et il dit, Seigneur, envoie ton ange. Nous ne donnons pas l'ordre à Dieu pour faire quoi que ce soit. Non, c'est Dieu qui en a besoin. S'il lui sent le... Voilà. Et nous n'adressons pas la prière directement à un ange. C'est exactement ce que voilà. Voilà. J'ai bien compris. Voilà, maintenant avançons donc comme nous avons compris. Donc, Deutéronome chapitre 4 nous a dit tout à l'heure qu'on fasse attention de ne pas rendre culte à la mer des cieux. Je voulais donc montrer effectivement que la mer des cieux dont la Bible donne l'interdiction ici, c'était des anges déchus qui se trouvent dans les lieux célestes tout juste au-dessus de nous. Dans Éphésiens chapitre 6, donc le verset 12, 11, 12 et 13. Éphésiens chapitre 6, je suis en cité parce que vous allez avoir cela dans l'enregistrement. Il dit la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois cela? Donc en réalité, tout ce qui se passe ici comme mal est manigancé au-dessus de nous. C'est eux donc qui font que les gens adorent les gens qu'on adore ici sur la terre. Mais le vrai problème, c'est un démon ne viendra pas dire que je suis le démon. C'est ça le vrai problème. Parce que s'il dit je suis le démon, toi-même qui es incrédule, tu n'as pas à croire. Tu vois cela? Tu vas dire non, jamais. Je préfère encore l'ange de Jésus. Alors c'est pour ça qu'il vient utiliser le nom Gabriel. Parce que les gens sont déjà accoutumés à Gabriel. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il peut dire Michael, je suis Michael. Michael ne descendra pas sur la terre pour venir obéir à quelqu'un. Jamais. C'est le chef de la maison, celui qui commande l'armée céleste. Non, voilà. Moi, je voulais savoir si maintenant. J'ai bien compris. Oui. Ils existent, ils sont avec Dieu. Oui. Mais c'est Dieu qui se charge d'envoyer ce qu'il a, ses anges à qui il doit l'envoyer. Ça, c'est les archanges aussi. Non. Ça, attends, j'arrive. Ça, c'est deux parties de la compréhension. Regarde bien cette boîte-ci. Ici, il s'agit de la terre. Là, le premier niveau du ciel. Nous qui sommes en bas, nous sommes les êtres humains. Au-dessus de nous se trouvent d'abord les démons. Qui étaient d'abord des anges au service de Dieu qui ont suivi Lucifer et qui ont été précipités, ils sont à un niveau donné. Puis au-dessus de se trouve maintenant le ciel de Dieu. Dans ce ciel-ci, collabore Dieu avec ses anges, Michael, les archanges, les séraphins et tous les autres. Ils se trouvent ici. Dieu sait effectivement qu'entre la terre et son ciel se trouve un intermédiaire où il y a les êtres. Les hommes sur la terre ne connaissant pas le domaine céleste peuvent invoquer des anges. En invoquant, ils invoquent plutôt les démons parce qu'un ange ne viendra pas à l'ordre humain. Oh, j'ai bien compris. Et donc, ils feront admettre et savoir que tout ce que les gens prient et qu'ils ont des résultats sur la terre viennent de ceux-ci et non des anges de Dieu. J'ai compris. Voilà. Donc, l'interdiction de Dieu, c'est par rapport à eux. D'accord? J'ai bien compris. Ça voilà. Veut dire que je ne vais pas invoquer les anges. Moi, je prie ma prière. Oui. C'est Jésus-Christ est Dieu. Oui. Et c'est Dieu, s'il a envie d'envoyer, il envoie. Ça, c'est absolument. J'ai bien compris. Absolument. Mais je voulais savoir si c'était... Ils sont réels. Ils sont réels. Ils sont réels. Les anges sont réels. Non, non, d'accord. On ne les prie pas, mais on n'a pas à demander leur aide. C'est Dieu qui va nous les envoyer. Mais ils sont réels. Et ils sont à notre service. Je sais, mais par la volonté de Dieu. Oui. Les archanges ne descendent pas sur la terre pour faire des jeux. Parce que ce sont des gens, ils sont plus terribles. Ange, A veut dire chef. Les chefs d'ange sont les chefs des anges, comme peut-être comme les généraux. Ici, on a des armées. Il y a des chefs de l'armée. Ce sont les généraux donc de l'armée. Ouais. On ne peut pas envoyer un général d'armée pour venir sur la terre pour faire les parties de plaisir. Parce que ce sont des grandes puissances. Ceux-ci luttent contre les autorités parce que de la même façon, il y a les archanges chez Dieu, de la même façon, il y a les archanges chez Satan. Les chefs des anges. Métatron, il fait partie de. Qui ça? Métatron. Métatron, c'est qui? C'est un démon.
C'est qui Normalement, ça? Normalement, ils disent que Métatron, c'était un... Qui a dit? Je l'ai lu. Où ça? Chez l'église? C'est qui ça? Non, non, pas sur l'église. Hein. Qui ça? Je lis, moi. Je lis... Non, bon, il y a d'autres encore. Il y a Salatiel. Et les autres, là, ce sont des démons qui ont inspiré des livres comme le sixième livre de Moïse. Je ne voudrais pas qu'on entre là-dedans. Parce que je ne l'ai jamais lu. Non, enfin, je voulais dire que les religions inspirées, les religions révélées sont faites par ces archanges-ci. D'accord? Dans la Bible, il y a quelques noms des anges qui sont mentionnés exprès. Il y a Gabriel, il y a Michael. C'est tout. En dehors des deux là, il n'y a plus de nom. Vous allez seulement lire les séraphins, l'archange. Mais quand on dit l'archange, ce n'est pas un nom. Non, c'est pas un nom. Dans ces noms-ci, comme tel que tu entends la Métatron, il y a Métatron, il y a Salatiel, il y a les autres là-bas, Raphaël, ainsi de suite. Ce sont des archanges déchets Lucifer. Mm-hmm. D'accord? Moi, je suis contente d'avoir posé la question parce que j'étais intéressée par ça. Maintenant, je sais ça, que dedans, il peut avoir même Satan. Oui. Je préfère le savoir, au moins, ça me permettra De les évacuer rapidement. Ben oui, c'est ça mon intérêt. Maintenant, supposons maintenant que quand les gens invoquent les anges, si un ange se présente ici, il est tout lumineux, comment feras-tu pour savoir si c'est de Dieu ou pas de Dieu? Je ne saurais rien. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut avec Jésus-Christ. Maintenant, on continue, n'est-ce pas? Lisons Sophonie, chapitre 1. Sophonie. Sophonie. Sophonie, chapitre 1. Versets 2 à 5. Tu y es, ma chère? Non. Courage. Ah, non, toi, tu es dans la Bible, donc tu es plus vigilant. Il faut, au fur et à mesure, va s'habituer de ça. À sa Bible. Oui. Chapitre 1. Sophonie. Verset. Non, versets 3 à 5. Il faut qu'elle lise d'abord. Hein. Ah, tu veux qu'elle lise, non? Non, il veut qu'elle se retrouve d'abord. D'abord non, c'est mieux. Non, c'est mieux. Comme elle a noté, c'est bon. À ce rythme, on va arriver ici le lendemain, quoi. Tu vois, elle est encore à la Genèse. Allons-y, lis. Mais j'aurais dû te dire, c'est dans l'Ancien Testament. Oui, elle sait déjà, elle sait. Je sais que c'est dans l'Ancien Testament. En fait, c'est le. Non, j'ai mal lu le. Le nom. Ah non, 1288, c'est bien ça, la page. 1288. Tu ne veux pas me lire, mais. Je te laisse trouver, tu es bientôt arrivé. Comment? Tu lui donnes la page. On n'a pas la même page là. On n'a pas le même livre. Voilà, Sophonie chapitre 1. C'est pas la même chose. Oui. C'est quelle ta page toi? Non, ça ne peut pas être la même page quand même de toute façon. Ça se vérifie. Dis-moi le numéro de toi. Chapitre 1. 900. Non, je suis à 1240. Non, elle est à 1200. Verset 3 à 5, ma soeur. Je détruirai les hommes et les bêtes. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, oui. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Donc nous voyons effectivement clairement ici qu'à Jérusalem, les gens, ces armées des cieux avaient implanté des religions sur la terre. Il dit qu'il va prosterner, il va détruire ceux qui prosternent sur les toits. Il a parlé de Baal. Baal, ce sont le culte de ces idoles-là. Ce sont ceux qui inspirent des religions sur la terre et font que les gens adorent. Et donc, ce sont eux qui ont amené dans les religions, comme vous entendez, l'animisme. Ce sont eux qui inspirent cela. Donc, dans l'armée des cieux, dans les cieux qui sont toujours au-dessus de nous, se trouvent différents contingents et différents laboratoires de démons qui inspirent les différentes choses sur la terre. Le scientifisme, l'humanisme, la démocratie, le socialisme, tout ça s'est concocté à partir d'en haut là-bas. Donc, si vous esquivez, vous dites non, je suis démocrate, vous êtes à l'intérieur. Vous dites non, je suis des Bilderberger, vous êtes dedans. Non, je suis chez les francs-maçons, tu es dedans. Vous êtes dedans. Les religions sont inspirées à partir du deuxième ciel. On avance. Bon, maintenant, je crois que c'est bon avec la main du ciel. Maintenant, on va toucher dans le cas des anges. Je vais commencer en expliquant doucement. Lorsque nous voyons la première venue des anges sur la terre, nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 18, Abraham était sur la chaîne de Mamré.
trois hommes se sont présentés devant de lui. Lorsqu'il a vu les trois personnes, parmi eux, il y avait le Seigneur. Il est allé se prosterner devant l'un d'eux. On ne dit pas qu'il est allé se prosterner devant eux. Dans le chapitre 18, ouvrez Genèse chapitre 18. Regardez la façon dont c'est écrit. Genèse chapitre 18. Donc c'est le premier livre. Verset 18, ouais. Chapitre 18, verset 1 et suivant. Allons-y, jusqu'au verset 3 peut-être. Là. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, oui, pendant la chaleur du jour, oui, il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Stop. Donc on voit effectivement, on imagine un peu comme la chaleur de Sali, quelqu'un qui va s'asseoir sur un arbre un peu pour prendre un peu de l'air. Oui, c'est à l'ombre là, en fuyant le soleil du quoi, la chaleur du jour. Mm-hmm. Subitement, il voit trois personnes. Dans ces versets, on ne voit nulle part que Abraham a invoqué quelqu'un. Ils se sont présentés de façon délibérée. Mm-hmm. Vous voyez, il a levé les yeux, il a vu trois hommes qui se présentaient. Maintenant, continuons la lecture pour voir ce qui arrive. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Oui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, voilà. Oui, ils sont combien ces gens-là? Trois. Mais on remarque bien, ils se prosternent. Et la suite montre que ce n'est pas devant les trois qui s'est prosterné, c'est devant une devant seule personne. Mm-hmm. Parce que parmi les trois, il y a l'Éternel. Il y a l'Éternel parmi. Ah bon? Mais c'est ce qu'on vient de dire. Il dit encore le verset 1. Verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de l'homme. C'est ce qu'il dit. Donc, parmi... Comme il était assis à l'entrée. Mm-hmm. Voilà. Donc nous voyons effectivement que Abraham n'est pas allé se prosterner devant les trois, mais devant une seule personne. Voilà l'apparition. Maintenant, on peut avancer rapidement dans le livre de Daniel. Et on précise pas que c'est devant une personne. Non, c'est la prosternation, c'est devant lui, parce que le prophète n'adorerait jamais un ange. Quand il se prosterne, il s'adresse à la personne à qui il en s'est prosterné, parce que la prosternation montre l'acte d'adoration de la personne. Normalement, si c'était un être humain normal, et vous allez voir effectivement que, comme c'est un prophète, quand on va aller au chapitre 19, on va voir que la même personne, enfin l'autre, son cousin ou son neveu, va faire l'erreur là devant ces anges-ci. Quand Abraham se prosterne, il dit Seigneur, il s'adresse à une personne. Si c'était quelqu'un de normal comme nous, ne passez pas par ici, on dirait à toutes ces personnes, ne passez pas où il y a au pluriel, mais il dit ne passe pas, car c'est pour cela que tu es passé. Disons, continuons la lecture toujours. Daniel? Non, enfin, je vous ai envoyé à Daniel parce qu'elle m'a intercepté là-bas. On rentre d'abord là. Non, si on a fini tout devant la porte Satan, c'est super. En tout cas, je voulais vous montrer la présence des anges et voir comment les gens réagissent. Mm-hmm. Allons dans Daniel, dans chapitre 6. Daniel? Oui. Dans le livre de Daniel, chapitre 6. Mm-hmm. Verset. Attends, je trouve de bon. C'est rythme là. Daniel. Dans ce livre de Daniel, donc, il est question des... On y va. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, il est question de la loi qu'on va éditer en disant de ne plus prier. Parce qu'en fait, il y avait un monsieur qu'on appelait Daniel, justement le prophète, qui dérangeait les gens avec les prières. Et puis, il y avait des jaloux là qui voudraient le disgracier parce qu'il était troisième du gouvernement, membre du gouvernement. Malgré qu'il était membre du gouvernement, il continuait à faire sa prière. Il était en plein Babylone. Et jusque-là, il était fidèle à Dieu. Et donc là, il continue à prier. Et puis, les gens qui voudraient sa chute vont aller voir le roi en disant, sort un décret de telle enseigne qu'on va interdire les prières. C'est terrible comme histoire. Sort un décret de telle enseigne qu'on interdit les prières en l'espace de 30 jours. Que s'il faut prier quelqu'un, ce soit toi compris. Lisons, on va partir et on va sauter, puis on va aller là où ça se trouve. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent. Non, à partir du verset 1. Hein? À partir du verset 1 du chapitre 6. Ah. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, oui, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendirent compte de ce que le roi ne souffrit aucun dommage. Oui. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Oui. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Oui, cela. Comme il était parmi les grands conseillers, et on dit clairement qu'il les surpassait tous, la jalousie va entrer dans leur cœur, ils vont pousser à ce qu'on puisse lui faire du mal. En tout cas, je veux qu'on lise pour avoir une idée de ce qui arrive, et puis on va aller là où l'ange va intervenir. Continue. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre,
parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc sur le plan de ses services séculiers, il n'y avait pas de corruption. Parce qu'il y avait de corruption, on devait lui dire détournement de fonds. Mm-hmm. Il n'y avait rien à redire. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir maintenant? Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc on a constaté qu'en réalité, c'est parce qu'il était fidèle à son Dieu. Mm-hmm. Ils vont aller prendre la Bible de Deutéronome et Exode que nous avons là. Quand ils vont lire, ils vont voir que dans Deutéronome et Exode, suivant que nous avons lu hier, il est dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Ils ont dit, ok, on va le piéger là-bas. Il faut qu'on sorte un décret pour le pousser à se prosterner devant un autre Dieu. Continuons la lecture. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait donc auparavant. Donc il s'en foutait du décret. Mais il y aura les conséquences de cette désobéissance. Oui. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoqua son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la seule chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois le jour. Il comptait même, hein. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Donc, il savait que Daniel était quelqu'un de bien. Ces gens s'y avaient manigancé un coup. Oui. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige de toute défense, ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Voilà. Maintenant, ici nous voyons effectivement que Daniel priait Dieu en direction de Jérusalem. Il n'invoquait pas autre personne autre que Dieu. Et au moment de le livrer, le roi lui-même a dit, c'est ton Dieu qui peut te sauver ici. Parce qu'on lui a précisé que d'après la loi des Mèdes et des Perses, quand toi-même tu as signé le décret, tu ne peux plus rien. Les gens lui ont bien réitéré, c'est là que la loi des Mèdes et Perses, c'est irrévocable, c'est immuable. Et puis le roi dit, je m'en remets à ton Dieu, remets-toi à ton Dieu. Il va jeter dans le lion. Nous allons lire jusqu'au verset 22, parce qu'au verset 22, nous allons arrêter. Allons-y. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Oui. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Oui. Et il put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Oui. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Oui. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, oui. Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, oui. a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Stop. Daniel a dit quoi? Mon Dieu a envoyé son ange. Donc, fermer la gueule. Daniel n'a pas invoqué un ange. Son ange. C'est Dieu qui l'a envoyé. Son ange pour fermer la gueule des lions. Imaginez un peu un zoo où il y a une zone concernant les lions seulement. Et où tomber là-dedans.
Les lions sont à côté, un ange est venu bloquer la bouche des lions. Donc, je voulais prendre ça pour montrer effectivement l'intervention des lions, des anges ici. Mais ici, ce n'est pas Daniel qui l'a invoqué. C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà, c'est écrit littéralement que c'est Dieu qui l'a envoyé. On peut encore passer à d'autres étapes. Dans le livre des juges, nous voyons effectivement comment l'ange va descendre. Vous connaissez l'histoire de Samson? Vous connaissez Samson, n'est-ce pas? Celui qui avait les cheveux là, qui était tellement fort. On n'avait jamais écouté cela. Non, non, n'ouvrez pas. Je vais seulement brosser quelques histoires. Vous allez rencontrer ça un de ces jours dans la Bible. Il y a Samson. La maman de Samson n'enfantait pas. Et un de ces jours, elle était en train de travailler. Subitement, l'ange de l'Éternel s'est présenté devant elle. Subitement, l'ange de l'Éternel s'est présenté devant elle. Elle s'est tournée, elle a vu l'ange. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit que je viens te parler, que tu seras enceinte. Et l'enfant qui va sortir de ton ventre, on ne doit pas lui couper les cheveux. Tu ne dois pas boire du vin durant ce moment-là, tant que tu seras enceinte, parce que cet enfant est censé faire une mission, délivrer Israël. D'accord? Donc, cette femme n'a pas dit, Seigneur, envoie un ange, venez me donner un enfant. Elle n'a pas invoqué l'ange. Même chose avec l'histoire de Marie et de Joseph. La Bible déclare, Marie était enceinte. Elle était en délire. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle faisait quoi par jour? Subitement, l'ange est entré. Il a salué Marie, pas salutation comme les catholiques le disent là-bas. Il salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La Bible est surpris par sa salutation et se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'histoire de Marie, de la conversation de l'ange Gabriel avec Marie, est enseignée. Il y a des enseignements qu'on peut tirer sur plusieurs angles. C'est que ça montre que l'ange Gabriel n'est pas venu avec sa forme effrayante. Il est venu avec une forme naturellement comme un simple homme. Parce qu'une jeune fille qui est vierge ne peut pas voir tout simplement un homme en train de lui parler. Ça, s'il vient avec cette puissance-là, on tomberait à venir. Parce que si vous lisez Daniel en continuant, au chapitre 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 12, il y a un ange qui va venir là, tout le monde va fuir, tomber, venir. Même Daniel lui-même va voir cet ange, il va tomber, venir avec les forces. Sans force, et l'ange va toucher la main, ce genou pour qu'il puisse avoir des forces. Donc, dans l'histoire de Marie, de l'apparition de l'ange Gabriel à Marie, il ne se montre pas avec la forme puissante qu'il s'est montré chez Daniel. Chez Daniel, il peut se positionner comme ça, sa tête touche le soleil. Or, il vient chez Marie comme un simple homme, comme un être humain normal comme nous. Donc, ils peuvent revêtir plusieurs formes. Ils peuvent revêtir les formes d'un clochard, d'un pousseur, d'un petit monsieur qui passe là-bas en ramassant les poubelles. Mais c'est un ange du Seigneur. Vous voyez cela? Alors maintenant, pour le cas de Marie, quand l'ange lui transmet le message, il dit que le Seigneur est avec toi. Toi qui une grâce a été faite, il dit, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Il dit, comment deviendrai enceinte? Il dit que le Seigneur, le très haut, dans le livre de Luc chapitre 2, je ne sais pas si je vais vite là, ça me dérange. Il dit que l'esprit de quoi, le très haut te couvrirait son nom, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra chez toi, quand on va se rappeler le fils du Dieu très haut. Donc nous voyons effectivement une fois de plus que Marie est surprise de la venue de l'ange. Si on continue comme ça dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, nous voyons l'histoire d'un autre homme, les premiers païens qui sont convertis à la vie chrétienne. Le monsieur allait chaque jour prier dans sa chambre. Un jour il allait se prosterner, quand il se prosternait, boum, l'ange est présenté devant de lui. Il dit Corneille. La Bible déclare surpris par cette vision. Il croyait que c'était son, mais pourtant c'était réel. Il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Seigneur? Il dit, envoie à Joppé, appelé Pierre, Simon, appelé Pierre. Il est logé, c'est un courrier près de la mer, comme à Salé là. Il va venir t'annoncer une parole par laquelle tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand il s'est levé, quand l'ange a fini de faire ça, il a disparu. Il a donc envoyé les gens pour aller vérifier. Et Pierre, effectivement, est venu, il a prêché, ils ont été sauvés. Donc nous voyons effectivement que l'ange vient pas parce qu'un être humain l'a invoqué. Dans Hébreux 1, verset 14, la Bible appelle les anges les esprits qui sont à notre service, envoyés pour ceux qui doivent hériter le salut. Donc, si tu es destiné à hériter le salut, les anges seront là pour te protéger. Dieu va les envoyer chaque fois quand vous avez des problèmes, ainsi de suite. Et même, l'ange est souvent envoyé même sur la terre pour sauver même ceux qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Il peut protéger les gens, protéger même les présidents de la République, comme on voit dans le livre de Daniel au chapitre 11 et chapitre 12. Parce que le changement des systèmes sur la terre est orchestré d'abord sur le plan spirituel. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Dans le psaume 91, justement, un psaume qui parle de la protection des anges, il dit qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui veut sur ton somme, il ne dort. Il dit, parlant de Jésus, il dit qu'il va te porter sur les pieds. Il enverra ses anges pour qu'ils te portent sur les mains, les peurs que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous avez l'impression, n'est-ce pas? Ouais. Il enverra ses anges. On n'a pas dit invoquer les anges pour qu'ils viennent vous porter. Non, il enverra ses anges. À chaque fois, vous allez voir que c'est Dieu qui envoie les anges. Pas parce qu'on lui a demandé, celui qui désigne la façon dont il va faire pour sauver. D'accord? Oui. On peut continuer? Oui. Je voulais vous demander, vous avez fini avec les anges? C'est moi seul qui parle ici, là. D'accord. Hein? Tu. Ah, tu. Pourquoi tu es? Donc tu me vous vois tout à l'heure. Hein? En fait, c'est parce que tu vous vois. Ah, moi, j'ai tendance à vous voir. Voilà, nous finissons donc avec Colossiens chapitre 2.
Colossiens. Colossiens. Tu connais la Bible, ta Bible. Nous allons lire deux versets, non, trois versets dans Colossiens. Colossiens, oui, ça y est. Chapitre 2. Colossiens. Chapitre 2. Oui, permettons que Sophie finisse. Colossiens, chapitre 2, nous allons lire, regardez bien, versets 8 à 10. Puis, nous allons au verset 18. 8 à 10 et après 18. Juste 18. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Donc, vous entendez ce qu'il dit? Que vous prenez garde, parce que vous malaxez la philosophie des hommes là-bas. Voilà, de sortir de ton. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef? Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui. Et c'est en lui que vous aviez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais que la circoncision du Christ. Oui. Maintenant, ici, dans cette première partie, on nous a mis en garde contre les philosophies d'hommes, les traditions d'hommes. Parce que si vous suivez cette tradition, si ce n'est pas sur Christ, tout ce que tu fais, je vous avais dit ça dès le dans l'entrée, que les pierres d'achoppement que les pharisiens mettent là, si vous croyez à ça, vous n'entrerez pas. Ça doit être basé sur Christ et Christ crucifié. Si ce n'est pas Christ, tout ce que tu fais, c'est zéro. Alors maintenant, voici la philosophie qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui. Or, ces philosophies-là sont inspirées justement par ces êtres dont nous sommes venus parler. Quand vous lisez l'histoire de la philosophie, on voit effectivement que c'est une religion dès le départ. Il dit bien l'histoire de la philosophie qu'on a fait, l'art de la réflexion, le pouvoir de la pensée, ainsi de suite, pensée, le raisonnable, ainsi de suite, le néant, tout cela. Ce sont des choses qui sont sorties de la Grèce antique. Et qui dit la Grèce antique dit Zeus, Apollon, Mercure, autres là-bas qui ont inspiré ces choses-là. Je crois qu'hier nous avons vu l'apôtre Paul qui était à Athènes qui a dit qu'en parcourant votre vie, je vous trouve extrêmement religieux. Et lié à lui, effectivement, dans ses livres de Actes des Apôtres là-bas, il est dit là-bas que tous les Athéniens ne passent le temps qu'à dire ou à entendre les bonnes nouvelles. Il discutait avec quelques philosophes, les stoïciens, avec un autre groupe de philosophie. Et donc ici, ces philosophes ont passé le temps à donner les inspirations, y compris Socrate, Platon et tous les autres là-bas. Ce sont des inspirations. Au point où ils ont créé un temple là-bas, appelé le temple de Delphes, c'est-à-dire que la porte de Lucifer, l'enfant ne sait pas. Voilà ça qu'on enseigne aujourd'hui à l'école. C'est donc pour ça que c'est difficile que les gens qui ont fait philosophie puissent saisir la parole de Dieu et accepter. Parce qu'ils veulent toujours raisonner et tout, mettre et remettre cela en cause. N'est-ce pas là? Mais courage, allons-y, verset 18. 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Oui. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Oui. Maintenant, la Bible dit qu'aucun homme sous une apparence de piété. Donc même si vous voyez qu'il a le blanc, il est vieux, il parle bien des anges. Vous poussez à adorer les anges, qui ne vous ravissent pas le plus de sa course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions charnelles. Parce qu'il savait qu'il y aura des visions, que les gens vont venir donner des anges qui soient réels. Il dit que, dès le départ, il a dit que ça doit être Christ. Donc, le principe biblique, depuis l'Ancien Testament, on a commencé par Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, met en garde les hommes de se prosterner devant les anges, d'aller vers les anges pour le culte des anges. Bien plus encore, dans Galates chapitre 1, le verset 6 et 7, l'apôtre Paul a dit que quand un ange du ciel viendrait prêcher un autre évangile, autre qu'ils ont prêché, qu'ils soient maudits. Ça veut dire même si les anges viennent du ciel, ils viendront, ils vont dire la même chose que la Bible a été dit. Lisons dans le dernier livre, chapitre 22 de l'Apocalypse, le verset 8. Le chapitre 22. Lisons d'abord le verset 8, et on va commencer à introduire. Quand il ouvrit le septième... Non, chapitre 22. La fin. Chapitre 22. Verset 8, oui. Allons-y. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Oui. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me l'ait montré pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Oui. Et celui de tes frères, les prophètes. Donc, tu vois effectivement que quand le messager qui a annoncé ces choses-ci à Jean, quand il a fini de voir, Jean était tellement émerveillé qu'il est tombé à ses pieds pour voir la rue. Garde-toi de le faire.
fais pas cela. C'est, adore plutôt Dieu. C'est devant Dieu qu'on doit adorer. Allons-y, verset 12. C'est pas au chapitre 12. Le même verset. Tu as lu le verset 8. Donc tu vois tout juste le verset 12 en bas. Chapitre 22, verset 12. Nous allons lire le verset 12 ou le verset 16. Allons-y. Où maintenant? Chapitre 22. Je commence à être fatiguée. Oui, c'est la fatigue. Vois ça. Oui, je suis fatiguée. Je suis réveillée depuis 7h du matin. Oui. Je commence. Chapitre 22, verset 12 à 16. Tu es fatiguée. Si on dit à 16, c'est des lits. Elle va lire maintenant à la vitesse de la tortue. Oui, avec la voix de la fourmi. Mais dites à Rose, c'est lui. Rose, elle dit que sa Bible est trop petite, elle ne lit pas. 12, ah, ça c'est l'écriture de Jésus, ça c'est les paroles de Jésus. Oui, c'est en rouge. Oui. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Oui. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, oui. Le premier et le dernier, oui. Le commencement et la fin. Oui. Ça, je trouve ça tellement beau. Mmh. J'adore le 13. Mmh. Jusqu'au verset 16. C'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jusqu'au verset 16. D'accord. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, oui. Et d'entrer par les portes dans la ville. Oui. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà. Moi, Jésus, oui. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, qui a envoyé l'ange? Jésus. Donc, une fois de plus, ce n'est pas l'apôtre Jean. Quand il dit l'Apocalypse, ce n'est pas l'apôtre Jean qui a décidé de prier l'ange, que montre-moi des choses à venir. Non. Jésus dit que c'est lui qui a décidé d'envoyer son ange pour attester ces choses dans les églises. Amen. Amen. Donc, en fin de compte, on ne doit pas prier les anges. On ne doit pas les invoquer sous quelque forme que ce soit. Les anges sont envoyés de façon délibérée par Dieu quand il le veut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'allez pas manger. Je n'ai pas faim. Lorsqu'on lit la qualité, c'est comme ça, on n'a plus faim, quoi. Ah, c'est ça, moi aussi. Sauf moi. Moi, je n'ai pas faim, mais j'ai sommeil. En fait, moi, je dois rentrer. Oui. Ce n'est pas parce que moi, il fait tard et j'ai peur de rouler la nuit. C'est oui. Ça. Beaucoup de gens seront surpris. Se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute vous disiez si j'avais su. Moi j'étais protestant, l'église réformée, ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la personne. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, laissez les églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'autre sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même un mariologue, josephologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume et que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de le sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era Fomboutoukou, Nadame Fondo, c'est de l'être sort. A vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet, pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens et de leur sort. Asse, Yudo, Dina, disent ce sont des Raon, finish. Today, you don't want the fire. They want it for you and my coming. Go. Mimo, you drink. Tobacco, you
Jean, Ouman, Nayou, Fenayou, Galap, Sa, Angelo, Majomi, Awan, Angelé, Ozaka, Yon, Beye, Sousena, Gemanga, Yemé, Oumoma, Oumoma. Pardon, pardon papa, et mon volet, et mon volet.